rebonsoir et merci à tous d'être venus un dimanche après-midi, fin de journée. On accueille également Bertrand Delapierre qui a raté un train mais pas le deuxième, donc il a pu arriver à temps. Bertrand est le réalisateur du film, caméraman que vous ne voyez pas beaucoup dans le film mais qui est responsable de la presque totalité des images du film. Et je crois de la cuisine. Et de la cuisine, on aura l'occasion d'en parler. En fait, on ne va pas faire d'exposé particulier les uns les autres. On va prendre des questions de la salle dès que vous êtes prêts. On a Anne ici présente avec l'écharpe Green Cross qui est derrière vous. Donc, ceux qui ont des questions, levez la main. Les questions peuvent être sur tout sujet, le film, la science, la nature, les océans. N'hésitez pas. J'en profite, le temps que la main se lève pour la première question, pour vous dire, si vous souhaitez aller à la rencontre de David et de Sophie pour une présentation de Green Cross ou pour découvrir l'ouvrage de Luc, ils sont du côté droit du plateau et ils attendent également vos visites. Oui, bonsoir Luc, bonsoir Bertrand. Une question sur... Donc je me présente, Stéphane Dugast, secrétaire général de la Société des Explorateurs. Une question sur les traces qui restent de Shackleton. Sur les restes, est-ce qu'ils sont plus intellectuels que physiques? Qu'est-ce qui reste de toute cette odyssée que vous nous avez fait vivre intensément? Oui, si je peux répondre à ce sujet. Alors, il y a des restes que vous voyez dans les différentes stations baleinières dont on a visité certaines, notamment celle de Stromness à la fin de sa propre traversée et de la nôtre. Donc ça, ce sont des restes de l'industrie d'exploitation des baleines de l'époque. Sur les îles elles-mêmes, il n'y a, à ma connaissance, aucune trace. Quand Justin a essayé d'aller dans l'eau récupérer quelques caisses de whisky, c'était plus un clin d'œil et une probabilité extrêmement faible de trouver quelque chose. Il y a quand même des traces, je dirais, des résultats scientifiques, même si la quasi-totalité de la science qui a été faite sur le bateau et est au fond de l'océan aujourd'hui grâce à la dérive de Shackleton du bateau, de l'Endurance, on a pu démontrer, il a pu démontrer malgré lui la circulation des courants dans la mer de Weddell, donc au nord de l'Antarctique. Pour info, je crois que National Geographic prépare une expédition dans un horizon de temps d'un an ou deux pour aller chercher, de la même façon qu'on a retrouvé le Titanic, pour aller chercher l'épave de l'Endurance à l'endroit présumé où il a coulé. J'ajouterais juste que donc à Grytviken, l'espèce de capitale de la Géorgie du Sud, il y a un petit musée en fait. Et alors c'est forcément, ce n'est pas ce qu'ils avaient à l'époque, mais ils ont retracé un petit peu l'épopée avec quelques points clés, quelques objets qui étaient le long de la traversée. Quoi. Mais ça fait un musée qui est un peu loin pour les voir, mais bon, ça se fait. Hein. Autre question, n'hésitez pas à lever la main, même avant que la réponse d'avance soit faite au premier rang. Comme ça, Anne peut vous aller dans votre direction à l'avance. Merci, bonjour. Quelles données avez-vous récupéré des sondes? Oui. Clochet, bonjour Luc. Oui, enchanté. Qu'avez-vous récupéré comme données des sondes que vous avez laissées il y a un an? Alors, il y a des... en ce qui concerne les bouées, les données sont récupérées par le réseau Argo et disponibles en ligne en mode open source. Quasiment quelques heures, quelques jours après que les bouées soient déployées. Donc la plupart de ces données sont disponibles aujourd'hui. Il y a 3800 bouées à peu près dans le monde de ce type, en plus des 11 que nous avons déployées. Je laisserai Nicolas compléter après, mais sur la partie échantillons de neige, donc là les échantillons ont été ramenés par Zoé, qui est dans la salle ici, au laboratoire donc de Jussieu,
Et ces données vont être analysées par différents scientifiques et donner lieu, on l'espère, à des papiers sur ces sujets-là. Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose ? Il y a quelque chose de très intéressant avec le système Argo, c'est que les données, en fait, sont disponibles à tous et sont mutualisées entre toutes les équipes de recherche. Et actuellement, il y a un travail que du côté de Green Cross, on pousse et qui est en train d'avancer. C'est une déclaration que vous connaissez peut-être qui s'appelle Paris Climat 2015 Objectif Océan, qui a 18 propositions, qui est co-signée en fait par une soixantaine d'acteurs, à la fois des associations, à la fois des institutions de sciences, des gouvernements locaux, des entreprises privées et des financiers. L'une des 18 propositions, c'est d'avoir une application et un système de données open data qui consolide toutes les données des différentes sources. Et Argo est un petit peu un précurseur de ça. On aurait envie de faire la même chose sur la pollution plastique, de faire la même chose sur la pollution diffuse et médicamenteuse, de consolider tout ce qui existe sur la santé des océans, le pH, la densité, etc. Et que la même base de données s'intéresse à la santé et à la sécurité. On espère pouvoir vous revenir d'ici la COP22 en ayant une application disponible sur un smartphone à tout le monde où on pourrait avoir accès à toutes ces données de manière consolidée, y compris les données des quelques balises parmi des centaines et des milliers que vous avez dispersées. Et c'est essentiel que chacun ne garde pas pour soi ces données et ces résultats, mais qu'on arrive à avoir ce mode de fonctionnement de recherche collaborative. Autre question ? C'était pour savoir qu'est-ce qui était le plus dur dans les, enfin, pour la recherche. Dans l'expédition elle-même ou dans la dans le principal dans l'expédition. Bertrand, tu veux commencer? Alors pour les bouées, parce que c'est peut-être il y a peut-être deux questions dans ta question. Mmh. Alors le plus dur, ça a été de. C'est une anecdote qui est assez drôle, c'est de démarrer la bouée avant de l'acheter, parce qu'on n'était pas sûr Zoé, parce qu'on écoutait ce que Zoé nous disait de faire, et donc Zoé n'était pas sûr du modus operandi, donc du coup il a fallu attendre quelques temps avant qu'on soit sûr de l'acheter par-dessus bord. Après pour le reste, qu'est-ce qui était le plus dur? Ça dépend de chacun. Pour Géraldine, ça a été le mal de mer. Bon, elle est championne de snowboard, de base jump, mais en bateau, c'était pas ça. Nous non plus, nous n'étions pas très, très frais après 5 semaines de bateau. C'est assez dur. La tempête en montagne, là, que vous avez vue sur l'île de la Géorgie, ça a été un moment assez difficile pour presque tout le monde. Alors, ce qui est dur pour celui qui fait les images, c'est de freiner les gens en fait quand ils sont partis pour faire quelque chose, style la traversée ou quand Zoé fait ses prélèvements, de leur dire attendez, moi j'essaye de changer un peu d'axe pour qu'on varie un peu les images. Donc les gens ils sont dans leur élément, dans leur quête, je dirais, et que qu'ils s'arrêtent à l'instant T pour que moi je puisse faire un autre style de plan. Ça c'est voilà, c'est jamais très simple. On a une autre question, je crois, au premier rang. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette expédition. Je crois que tout le monde avait des motivations différentes dans l'équipe. En ce qui me concerne, depuis, c'est pas mon activité principale d'organiser des expéditions et de faire ce genre de voyage, mais disons depuis une vingtaine d'années, c'est un bon tiers de ma vie, parfois la moitié ou plus. J'ai toujours été intéressé personnellement par l'aventure, notamment lointaine, dans des endroits où on n'a pas toujours la chance d'aller. Donc je me suis toujours arrangé pour faire ce genre de choses. Et puis depuis une quinzaine d'années, je me suis intéressé à l'environnement, tout d'abord via l'équipe Cousteau et ensuite via Green Cross, dont je fais partie depuis une dizaine d'années. Donc tous les ans, je cherche à faire une,
une expédition, disons, assez exceptionnelle, lourde, intense, dans laquelle il y a de la science intéressante et utile. Et plutôt que de faire juste de la science ou juste de l'aventure, j'aime bien mélanger la science, l'aventure, la nature, le sport, l'exploration, d'où le résultat de cette expédition. Connaissant Ben, qui est notre guide extraordinaire polaire que vous voyez dans le film et qui est dans la salle aujourd'hui, lui m'a mis en relation avec Bertrand, ensuite Géraldine, et puis comme c'était une expédition sur le thème du centenaire de l'expédition de Shackleton, il s'imposait d'avoir, enfin à moi en tout cas, d'avoir des Anglais dans l'expédition. Et connaissant David, qui a amené Justine, on a eu l'idée également d'amener ces jeunes soldats anglais, puisque les autres expéditions que j'ai réalisées, notamment au Groenland, dans l'Arctique canadien, qui sont documentées dans les livres qui sont ici, j'ai toujours emmené des jeunes avec moi. C'est allé littéralement de 4-5 ans jusqu'à 16 ans. Là, c'était difficile d'emmener des jeunes de ces âges-là pendant cette période, octobre-novembre. Donc, on s'est dit, on va emmener ces jeunes soldats anglais à la place. Voilà. Pour prolonger la question, qu'est-ce qui est différent quand on va de l'Arctique à l'Antarctique ? L'eau qui tourne dans les, tu sais, dans les éviers, ouais, qui tourne dans l'autre c'est sens. Pas dans le même sens. Ouais. Merci. Sauf qu'on n'avait pas d'évier, si, dans le bateau, ouais, un seul. Oui, enfin, non, vous ne voyez pas beaucoup la couleur. Donc, tu es en train de dire que tu n'as pas fait la cuisine. Oui, non, non, mais j'ai fait la vaisselle en revanche, donc j'ai plus vu l'eau tourner dans l'évier que ceux qui ont fait la cuisine. Alors ça dépend, parce que je suis allé en Antarctique il y a une douzaine d'années pour aller gravir Mont Vinson, qui est le mont le plus haut de l'Antarctique, qui est vraiment presque au centre du continent, où là c'est très sec, quasiment pas d'humidité, c'est un vrai désert, il y a de l'altitude, on est à presque 5000 mètres, donc un environnement très différent de cet environnement en fait sub-antarctique des îles, où il y a beaucoup d'humidité, le temps est gris tout le temps. 95% du temps, on avait du mauvais temps, hein, ce qui est le temps standard là-bas. En termes d'expérience personnelle, quand on a fait l'expédition au pôle Nord avec Ben en 2011, j'ai personnellement plus souffert dans cette expédition, le pôle Nord étant pour moi sans doute l'endroit du monde où c'est le plus difficile de progresser. De tirer tout son barda, l'humidité, le risque de passer à travers la glace à tout moment, c'était beaucoup plus difficile. Maintenant, Bertrand, qui a beaucoup voyagé aussi, a peut-être d'autres entre le nord et le sud, Arctique, si Antarctique. Loin au sud. Non. Je me suis arrêté, donc le plus au sud, c'était les sandwichs. Après, le plus nord que j'ai fait, c'est le Groenland. Donc voilà, il me reste encore deux extrêmes à faire, donc pour les prochaines expés, quoi. Mais c'est vrai que le nord est plus, notamment le Groenland, c'est quand même plus habité entre guillemets, donc ça peut paraître un petit peu moins hostile. Donc c'est vrai que le sud, quand tu passes le Cap Horn, il y a plus trop grand monde au sud-sud, quoi. Et à part des scientifiques, personne n'habite là-bas. Il n'y a pas d'indigènes comme il y a tout autour de l'Arctique. Autre question à droite. Bonjour Luc, bonjour Bertrand, bonjour Nicolas, félicitations pour l'expédition, félicitations à Nicolas pour avoir organisé la projection ici. Je voulais savoir combien de temps tu as besoin pour préparer une expédition comme ça, et puis qu'est-ce que ça implique en termes de financement et comment tu fais pour lever les fonds ? C'est simple, on va passer le chapeau à la fin de cette session pour la prochaine expédition. Une expédition de ce type, j'ai démarré 2 ans avant la date de départ d'expédition, ne serait-ce que pour interviewer les skippers et bateaux donc, qui étaient capables d'aller dans cette zone et qui n'étaient pas déjà pris puisque ces bateaux sont réservés très longtemps à l'avance. Donc je dirais de 2 ans avant le départ, progressivement, de 1 ou 2 heures par jour, on se retrouve évidemment les 2 mois qui précèdent à passer quasiment tout son temps à gérer
tous les problèmes de logistique typiques de ce genre d'expédition. Quand j'organise une expédition de ce type, je prends le risque financier, c'est-à-dire je dis aux gens qui vont m'accompagner, et ils le savent, que l'expédition se passera, je prends le risque, et puis dans l'intervalle entre cette décision et l'expédition elle-même, j'essaye de trouver des sponsors, dont certains comme la française d'investissement en France ou Soprasteria également sont des sponsors mécènes d'ailleurs de Green Cross de longue date, qui me suivent dans ces expéditions depuis des années, et puis d'autres qui se raccrochent à chaque projet et parfois deviennent sponsors et mécènes de Green Cross sur le long terme. Et puis également quelques individus que je ne peux pas tous nommer, mais qui donnent un petit coup de main, ou financier ou en nature, avant, pendant et après l'expédition. Grande fidélité aussi, je crois, par rapport à certaines personnes, et notamment à Ben, qui était cité tout à l'heure, qui est guide et partenaire depuis quelques années. Tout à fait. Ben, je ne sais pas où il est, mais il faudrait qu'il se lève pour qu'on voit où il est. Il est très, très timide. Voilà. Voilà Ben. Grand merci à Ben, qui d'ailleurs a son propre bateau maintenant, parce qu'il en a eu un petit peu marre de faire que de la glace. Donc il a son propre bateau, l'ATCA, qui est en navigation dans la zone Greenland en ce moment, et pendant quelques temps, je crois, et qui organise lui-même des voyages pour des scientifiques, pour des sponsors, pour des particuliers. Donc n'hésitez pas à lui parler si ces zones vous intéressent. Il y a une question qu'on nous pose souvent, notamment par rapport à la connaissance scientifique. Est-ce qu'il faut que des explorateurs aillent de plus en plus souvent dans les zones polaires pour mieux les connaître? Est-ce qu'il faut réguler les explorations, ou est-ce que le mécanisme est déjà suffisamment régulé lui-même aujourd'hui? Notamment pour Zoé et ses études maritimes, le coin où on est allé, il y avait très peu de choses en fait. Donc elle ne pouvait pas déclencher, ou le CNRS ne pouvait pas déclencher une étude juste sur cette parcelle-là. Donc du coup, il y a pas mal de laboratoires qui profitent de ce genre d'expé pour mettre dedans, intégrer entre guillemets la science, quoi. Donc, oui, je crois que notre expédition est... Je pense que c'est typique de ce qui peut se passer. On avait tous envie de vivre cette aventure, de faire un film, d'écrire un livre, d'avoir des propres expériences nous-mêmes que nous n'avions jamais eues. J'avais été en Antarctique, mais je n'avais jamais vu de manchot de ma vie. Donc on a tous eu des satisfactions personnelles, tout en permettant donc à Zoé et son équipe, l'équipe du professeur Oscar, de faire ces mesures dans cette partie du monde où personne ne va jamais. Pour vous donner un exemple, Ben Wallis, le skipper du bateau, qui a été 19 saisons dans cette partie du monde, dans ces eaux-là, n'avait jamais été dans les îles Sandwich, hein, Sandwich du Sud. Donc pour vous dire comment elles sont difficilement accessibles. Donc c'est sûr, quand on propose à des scientifiques d'aller dans des endroits comme cela, c'est une chance inespérée, et ils en profitent, et on est tous ravis. Une question au fond de la salle. Oui, bonsoir. Merci pour ces belles images et cette intéressante expédition. J'avais une question sur ce qui s'est passé il y a 100 ans. J'ai cru comprendre que Shackleton avait laissé ses amis confortablement installés sous un canot près d'un garde-manger. Mais eux, là, dans leur petit canot, ils ont fait 1500 km à la rame. Comment est-ce qu'ils ont survécu? Vous avez une idée de c'était déjà pas à la rame, hein. Ils avaient une voile quand même. Hein. Voile. Oui. Alors effectivement, ils étaient 28, y compris Shackleton. Il en a laissé 22 sur l'île de l'éléphant, sans savoir que ça allait durer aussi longtemps, puisque ça a duré 4 mois. Et de toute façon, c'était un peu leur dernière chance. Donc il est parti avec 5 autres personnes, arrivé en Géorgie du Sud. Bon, favorisé par les courants, bien sûr, qui, dans cet endroit, sont porteurs pour arriver en Géorgie. Courant qui d'ailleurs amène tout le krill de l'Antarctique, qui nourrit toute cette fantastique vie sauvage que vous avez vue sur les plages.
Voilà, donc c'était un peu leur dernière chance. La traversée a pris une dizaine de jours en mer, ensuite quelques jours de repos, la traversée en 36 heures de la Géorgie du Sud, et ensuite donc attendre un bateau. Et c'est ça qui finalement a pris du temps, qui a pris beaucoup de temps, des semaines et des semaines, c'est de trouver un bateau pour aller les rechercher et d'avoir la chance qu'il n'y ait plus de glace autour d'Elephant Island pour récupérer son équipe, qu'il a effectivement récupéré en entier. Donc, mais eux ont été très chanceux avec le temps de pouvoir traverser. Oui, la traversée de la Géorgie, effectivement, a été pour eux... Alors, c'est très documenté, puisque Shackleton a écrit un livre qui s'appelle « Le Sud », et d'autres membres d'équipage ont aussi écrit leurs journaux ou leurs livres. Donc, une histoire très, très documentée, très photographiée, par Frank Hurley en noir et blanc dans l'expédition. Notre Frank Hurley ici, Bertrand, dans la nôtre. Voilà, alors, et alors c'était une expédition en fait dans laquelle ils ont eu très peu de problèmes de nourriture, puisque beaucoup de phoques, beaucoup de manchots, différentes espèces de manchots, quelques oiseaux. Donc en fait, ils n'ont que très rarement souffert de manque de nourriture. Bon, le menu était toujours le même pendant presque 2 ans, mais personne ne s'apprêtait à mourir de faim. Autre question, à gauche. Quels sont vos futurs projets? Quelles pourraient être vos prochaines expéditions? J'ai plusieurs projets. En monde polaire, une expédition dans le passage de l'Est, du Nord-Est, donc en allant de Bering, le nord de la Russie, de la Sibérie, pour aller sur les traces d'autres explorateurs américains, notamment George DeLong, aller aussi voir ce que donnent les effets du changement climatique sur la toundra qui fond, le méthane qui se dégage, les défenses de mammouths qui apparaissent maintenant dans la glace de plus en plus. Donc des sujets très intéressants. Mais l'année prochaine, j'organise quelque chose dans le Pacifique en partenariat avec des scientifiques à déterminer. Donc appel à candidature pour des scientifiques qui seraient intéressés à faire du travail dans le Pacifique autour d'îles qui sont des sujets très intéressants dont Nicolas peut nous dire deux mots. Donc des sujets sur la montée du niveau de la mer, les coraux qui blanchissent, l'eau qui s'acidifie, l'implication sur les populations locales. Donc voilà, sans doute une traversée du Pacifique couvrant plusieurs nations, îles de ces régions. Tu veux peut-être dire deux mots sur ce que l'on fait d'ailleurs? Absolument. D'ailleurs, on a un clin d'œil, c'est que vous ne le voyez pas, mais nous voyons sur le stand du comité 21, juste derrière vous, un pêcheur du Vanuatu que nous avions vu en mars et en avril. Green Cross est très très présent depuis 2013-2014 dans l'accompagnement des réflexions des leaders du Pacifique sur le dérèglement climatique, et on apprend des choses absolument formidables tous les jours. La première, et qui n'est pas la plus facile, c'est que le dérèglement climatique, c'est une réalité du quotidien depuis des dizaines d'années pour les gens du Pacifique Sud. Des phénomènes climatiques de plus en plus fréquents, de plus en plus extrême. Il faut imaginer que les vents du cyclone Pam au Vanuatu ont atteint 350 km/h, qu'il y a des endroits où, en fait, on s'est retrouvé avec des coraux morts sur 150 mètres à l'intérieur des terres. Donc, vous imaginez l'état de la barrière de corail. Et face à cette situation, les leaders du Pacifique s'organisent. Et je voudrais d'ailleurs saluer la présence de quelques-uns dont Louis-Win Nemo dans la salle ce soir. On s'est effectivement connus sous des températures beaucoup plus chaudes que celles que vous voyez derrière nous. Il y a des solutions sur la transition énergétique, sur l'alimentation, sur l'énergie. Ils les mettent en place sur les territoires avec une énergie formidable, avec très peu de financement, puisque contrairement à une idée répandue, aujourd'hui, ils ne sont même pas éligibles ni au Fonds vert ni au Fonds français pour l'environnement mondial. Donc, on est en train de travailler pour qu'il y ait des meilleurs financements qui soient mis à disposition pour ces projets de transition. Souvent, on en parle comme des réfugiés climatiques. On est
sur des populations du Pacifique qui sont nées sur une île. Leur mémoire, la mémoire de leurs ancêtres est sur cette île. Ils conçoivent leur présence sur ces îles. Et ils ont envie de ne bouger qu'au moment ultime où ils ne pourront plus vivre sur le quotidien. Donc avant de travailler sur des réfugiés climatiques, on pense que c'est utile de les aider à lutter contre le dérèglement climatique, de faire de la coopération décentralisée. C'est eux qui ont la solution, c'est pas nous. Ce qu'il faut bien imaginer et garder en tête, c'est qu'on a des atolls comme Tuvalu, où le point culminant de l'île est de 1,50 m, 1,80 m, 2 m, c'est-à-dire la hauteur de la table sur laquelle on est par rapport au sol. Vous voyez ce que ça signifie. On a également une grande diversité de cultures, de modes de fonctionnement, mais aussi des savoirs traditionnels qui sont là en quantité inestimable et qui vont nous aider dans la recherche scientifique à mieux comprendre le monde dans lequel on est. Luc était en train de lancer un appel aux connaissances scientifiques. On a d'ores et déjà les bonnes connexions pour aller à la rencontre de ces savoirs traditionnels et les consolider et savoir, par exemple, que les baleines à bosse et la manière dont les chefs traditionnels voient le parcours des baleines à bosse, ça nous aide à la fois sur les récoltes agricoles, mais potentiellement, ça peut nous aider à prévoir les cyclones demain. Donc, il y a énormément de choses encore à faire et à apprendre. Dans le quotidien des négociations, on est en train de se battre tous les jours aux côtés des peuples du Pacifique. Et je peux vous dire qu'en ce moment, ce n'est pas facile et qu'on a besoin de faire entendre la voix du Pacifique. Il y a quelque chose d'assez formidable, c'est qu'avant la voix du Pacifique, il y avait 50 leaders qui s'exprimaient, chaque leader ayant 6 000 à 18 000 personnes sur son pays ou sur son territoire. Maintenant, ils se sont unis. On a eu une déclaration de l'IFU le 30 avril 2015 qui donne une trajectoire et une feuille de route à la voix du Pacifique, repris par la déclaration de Lyon en juillet. Et on espère pouvoir dire à la fin de la semaine prochaine, le Pacifique parle d'une seule voix et en même temps, ça ne nous ôtera pas l'envie, ni Luc, ni moi, ni peut-être Bertrand, d'aller sur place et de continuer à la fois cette exploration et cette rencontre avec des gens qui sont absolument passionnants sur le terrain. Anne est en train de passer avec le micro dans la salle pour vos questions, commentaires, suggestions. Oui, devant. Au premier rang. Oui, bonjour. Quelle a été la suite de l'expérience des deux jeunes militaires qui étaient avec vous? Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Est-ce que ça a été quelque chose de très positif pour eux? Oui, je pense, même s'ils ont souffert alors de manière différente, puisque c'était deux soldats blessés, donc, dont Oli qui avait eu trois blessures assez graves et devenu d'ailleurs a eu la médaille Medal of Honor de l'armée anglaise suite à son héroïsme pendant l'un de ses combats en Afghanistan. Le film sera présenté, pour répondre partiellement à votre question, sera présenté à Londres au Ciné Lumière le 10 décembre et Oli sera avec nous pour justement parler de son expérience et de son après cette expédition. Il n'a pas été redéployé depuis en zone de guerre, donc ce sera intéressant de voir ce qu'il en pense. Il a quitté l'armée, lui. Oui. Oui. Donc peut-être qu'il a trouvé d'autres envies de faire plus d'aventures. Oui. Il faut savoir aussi qu'après notre expédition, qui a eu lieu il y a un an, octobre-novembre 2014, Oli et Keith sont partis au pôle Nord pour une autre expédition dans le programme Wounded Warriors, donc soldats blessés de l'armée anglaise. Donc pour des gens qui n'avaient quasiment jamais skié avant notre expédition endurance, là, ils ont dû suffisamment apprécier pour avoir envie de repartir dans cette zone. Mais c'est étonnant comme on peut être dans une armée comme l'armée anglaise et finalement n'avoir quasiment jamais été dans la montagne, jamais fait de ski et jamais en bateau. Ils ont fait un stage de bateau d'une semaine pour se mettre en,
en jambes et en estomac un mois avant l'expédition, mais sur ces sujets-là, il ne connaissait quasiment rien. Dans les prochaines missions que vous allez faire, est-ce que certaines sont un peu centrées sur le problème des plastiques dans l'océan? Est-ce que c'est une des thématiques que vous allez aborder? Oui, alors quand on parle du Pacifique et des océans, on est un petit peu obligé de parler du plastique. On parle souvent de la JR du Pacifique, mais il y en a au moins une demi-douzaine, sinon une douzaine dans les différents océans qui constituent en fait un seul océan dans le monde. Donc oui, ce sera un sujet, mais je ne veux pas faire une expédition purement plastique ou nettoyage du plastique ou meilleure compréhension, parce que c'est un sujet qui est déjà abordé par beaucoup de monde finalement, qui est assez médiatique. Donc j'aimerais faire des choses un peu plus, peut-être encore un petit peu plus à découvrir ou à creuser. Nicolas, tu voulais rajouter ? C'est un sujet qui est très intéressant, le sujet du plastique dans l'océan, parce qu'il y a énormément de dimensions. D'un point de vue opérationnel, une des thématiques sur laquelle on travaille très très fortement à Green Cross et qui nous a incité à être à l'origine avec plein d'autres de la création de l'Institut de l'économie circulaire, c'est déjà de faire une réduction à la source. Puisque les plastiques qu'on trouve dans l'océan, il y en a entre 95 et 97% qui sont venus de la Terre. Et donc, plus on recycle, plus on arrête d'utiliser de la vaisselle jetable, et c'est pour ça que pour vous aider, il y a une loi qui va rentrer au 1er janvier en vigueur et qui interdit la vaisselle jetable en plastique, mais il y a bien d'autres choses dans le dispositif législatif, plus on contribue à limiter le flux de plastique qui se déverse tout le temps dans l'océan. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est la question en fait de la toxicité du plastique. La base polyéthylène ou polypropylène qui est à l'origine du plastique n'est pas toxique en tant que telle, elle est neutre. Par contre, il y a énormément de colorants, de retardants de flamme, de substances qui, pour une partie, sont prohibées par une directive qui s'appelle REACH depuis des dizaines d'années, mais qui sont toujours dans notre quotidien et qui se déversent dans le plastique. Et là, on a des perturbateurs endocriniens, des perturbateurs chimiques pour la faune, pour la flore, dont la durée de vie est longue et ce qu'il faut arriver à étudier et qu'il faut également arriver à éliminer. Par exemple, on travaille avec une association qui s'appelle Terre-Mer et qui est basée à Marseille, qui, autour de sa directrice Isabelle Poitou, a identifié un protocole qui est utilisé par toutes les expéditions, dont par exemple l'expédition 7e continent qui était présente ce matin, et dont Green Cross est par ailleurs partenaire, pour arriver à voir ce qui se passe. Le troisième sujet, qui est également très complexe, c'est d'arriver à récupérer les gros gisements de plastique. Et quand on parle de continent de plastique, en fait, ce n'est pas un continent compact qu'on pourrait identifier, c'est un amas relativement diffus de quelque chose qui, aujourd'hui, n'a pas de valeur marchande. Et même si on voit tous les jours de nouveaux dispositifs ou de nouvelles idées géniales pour aller le collecter, il va falloir mettre en place quelque chose qui est vraisemblablement plus une expédition... plus un projet industriel qu'une expédition pour arriver à ressortir des millions de tonnes de plastique de toutes les mers et de toutes les côtes où elles se trouvent. Et on a notre petite goutte d'eau dans l'océan, dont je suis personnellement assez fier, toujours dans le même travail Paris Climat 2015 Objectif Océan. On s'est attaqué à quelque chose, c'est la caisse, en fait, qu'on appelle improprement caisse de criée en polystyrène, qui est une caisse de mareyeur, celle dans laquelle vous trouvez le poisson qu'on va vous exhiber sur le marché. Il y en a malheureusement sur toutes les plages du monde. Et il n'y a pas longtemps, j'étais au large du Chili, et il y avait une superbe caisse échouée sur laquelle il y avait écrit le Guilvinec. Je ne suis pas sûr que nos amis du Guilvinec, et ils nous l'ont dit, aient envie de laisser cette image-là au Chili. On peut remplacer cette caisse par une caisse réutilisable qui est faite en algues, en fait, en déchets d'algues. Et on utilise par ailleurs les protéines de l'algue pour de la nutrition humaine et animale. Ça fait partie des trucs formidables du quotidien qui montrent qu'on arrive à trouver comme ça de toutes petites solutions, mais il faut mobiliser et de l'argent et de la volonté à la fois politique et puis de la volonté des comportements de chacun, à la hauteur des enjeux, pour arriver d'ici à 20 à 30 ans à éradiquer ce problème plastique et à ne surtout pas le laisser à la génération d'après.
question, main en bleu. Ouais. Bonsoir, je suis le dernier. En fait, je suis ravi que vous ayez parlé de la pollution plastique parce que je m'y intéresse beaucoup. Mais ma question, elle est très différente. C'est pour, je reviens sur l'histoire et je n'ai pas compris pourquoi Shackleton, au lieu, à la place de traverser à pied, n'a pas fait le tour avec le bateau pour arriver de l'autre côté. Non, c'est une très bonne question. Caser mon livre, mais j'en parle beaucoup dans le livre. En fait, quand ils sont arrivés sur l'île de la Géorgie du Sud, le bateau prenait un petit peu l'eau. Il y avait du mauvais temps et ils avaient deux personnes qui étaient vraiment, sur les six, qui étaient plus du tout en état de continuer. Donc, de toute façon, ils ne pouvaient pas contourner l'île par le nord-ouest pour arriver de l'autre côté. Donc, il fallait se poser. Ils se sont posés, encore une fois, comme le bateau avait des problèmes, dès qu'ils avaient repris quelques forces, mangé un peu, Shackleton a dit, bon, on part à trois, ils en ont laissé trois de l'autre côté de l'île, ils sont partis à trois, aller de l'autre côté, bon là, 36 heures, ils sont tout de suite revenus, dès que le temps s'est amélioré, chercher les trois qui étaient en moins bonne forme et se sont donc regroupés. Donc ça, c'est pour la partie des six, et puis donc deux mois après, ils sont allés chercher les 22 autres sur Elephant Island. Donc c'est un kit ou double qui a réussi. Oui, enfin, oui, sachant que à chaque fois, c'est intéressant, à chaque étape, en fait, ils n'avaient pas vraiment le choix. C'était quasiment la seule décision à prendre, mais qu'il a bien réussi à faire comprendre à toute son équipe que c'était une décision sage, la meilleure. Et je crois qu'au fond de lui-même, il se disait, de toute façon, c'est ça ou rien. Et à chaque fois, ils s'en sont sortis, ils sont tous revenus vivants. C'est bête qu'il soit plus là, on aurait pu l'amener en salle de négociation en ce moment, il aurait eu un apport tout à fait intéressant. Ouais. Alors dans le livre, on a créé une interview imaginaire de, comme s'il était sur un plateau télé de Shackleton qui répond à des questions plus ou moins irrévérencieuses. Mais aussi, il ne faut pas oublier, peut-être pour finir, qu'il avait de la chance d'avoir un super capitaine, Worsley, qui les a routés, toute l'équipe, que ce soit en mer et sur terre. Sans lui, ils n'auraient pas fait grand-chose. Oui. C'est vrai que souvent, c'est Shackleton le héros, mais sans ces deux seconds... Deux seconds et toute l'équipe. Il y avait aussi un charpentier qui a bien rehaussé la taille du canot de sauvetage qu'ils ont pris pour faire cette traversée d'une dizaine de jours. Donc presque tout le monde a joué un rôle important dans l'expédition, mais c'est vrai, Worsley et Crean... On n'assiste jamais assez, effectivement, sur le rôle d'équipe, à la fois dans la phase de l'expédition, puis à la fois, comme tu nous le disais tout à l'heure, et pour toi et pour lui, dans la phase de préparation de l'expédition. Oui, ouais. C'est juste pour... clore sur ce point, faire des mesures au sextant en pleine mer, mer déchaînée, puisqu'ils ont eu quasiment un cyclone aussi pendant cette traversée. Quand 95% du temps, vous ne voyez pas le soleil, vous ne le devinez même pas, c'est vraiment un exploit. Je crois que malheureusement, le temps nous est compté et que si on veut avoir un petit peu de temps pour que vous puissiez discuter en direct avec Luc, avec Bertrand, avec Ben, avec Zoé, on est obligé de clore le plateau sans trop tarder. Peut-être quelques mots de conclusion, Bertrand, Luc. Non, merci encore à tous d'être venus. Si vous voulez en savoir plus sur cette expédition ou des prochaines expéditions ou sur les membres de notre équipe, n'hésitez pas à nous parler. On vous donnera nos coordonnées également pour un suivi éventuel. N'hésitez pas. Bertrand, prêt à remettre ça avec moi dans le Pacifique l'année prochaine ? Allez, hein, tu vas acheter un ciré peut-être ce coup-ci. Prochain rendez-vous, si vous avez envie de revenir au Grand Palais, le 11 décembre, tout l'après-midi, de 14 à 17 heures, on va mettre en avant un certain nombre d'actions et d'initiatives pour une meilleure santé des océans, pour un climat préservé au service de l'humanité. Un grand merci
au Comité 21, au Club France et à Solutions COP 21 qui nous ont permis de tenir cette soirée dans ce lieu magique que vous avez pu voir et visiter. N'hésitez pas à aller à la rencontre de David et Sophie. Et puis, pensez que si des associations comme la nôtre peuvent continuer à travailler, c'est aussi grâce à la générosité de tous. Donc, n'hésitez pas à adhérer et à nous suivre. À très bientôt. Excellente soirée. Et merci aussi à tous les jeunes qui sont venus, puisque finalement, c'est grâce à vous, j'en vois ici une dizaine, grâce à vous, que peut-être on va trouver des solutions à tous les problèmes du futur. J'oubliais quelque chose d'essentiel. Le 9 décembre, c'est les jeunes qui m'y ont fait penser, on reparle de la déclaration des droits de l'humanité et de cette mobilisation de la société civile qui risque de déboucher dans le texte final de Paris Climat 2015, qui justement nous redit que si on est tous là ensemble mobilisés pour le climat, c'est aussi parce qu'on a besoin d'une humanité en paix sur une planète préservée. C'est une déclaration qui fait 4 pages. Vous pouvez la retrouver, la soutenir et la signer. Droit de l'humanité au pluriel.fr et revenir le 9 pour en parler ici avec nous. Merci.